Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai changé de plan aujourd'hui, je suis passé maintenant sur l'iPod Touch avec le grand angle qui filme super bien. Donc vous êtes au défi des 100 jours, saison 9, jour je ne sais pas combien encore, ou peut-être, bon bref, je vous le marque dans la description. Donc en clair, des choses de dingue qui se passent en ce moment. J'ai fait un vlog hier que j'ai posté sur ma journée de formation que j'ai faite, ma première journée de formation qui s'est juste passée. Mais vraiment, vraiment trop bien. Je n'ai jamais passé un si beau moment de ma vie et c'est une première expérience. Et quand je vous dis qu'il se passe des choses de dingue, autant sur le plan professionnel que sur le plan privé, relationnel et spirituel, parce que j'avais, je crois que j'avais cette vocation dans le défi des 100 jours de ma saison, dans ma saison 9, d'inspirer les autres, d'aider les autres et de m'aider moi-même, de trouver des voies. J'ai vraiment passé un cap depuis un mois là, suite à des choses qui se sont passées d'un point de vue privé, et ça m'a tellement ouvert les yeux que ce que j'ai fait hier, je crois que ça a été vraiment le moment le plus magique de ma vie, parce que je vais essayer de vous motiver sur ça, mais dites aux gens que vous les aimez. Franchement, dites aux gens que vous les aimez. Hier, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis rentré chez mon père, je voyais ma mère après. Et on n'avoue jamais, alors attendez, je vais essayer de rectifier un peu l'exposition. On n'avoue jamais ce que l'on ressent aux gens que l'on aime, que ce soit amicalement, que ce soit par la famille, que ce soit pour les relations. Je n'avais jamais dit à mon père, enfin je lui avais montré, je lui avais fait comprendre, mais je ne lui avais jamais dit le mot « je t'aime ». Et je ne l'avais jamais remercié pour la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis arrivé chez mon père hier soir, j'en avais limite les larmes aux yeux. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai dit merci, merci pour tout, merci pour tout ce que tu as fait qui font qu'aujourd'hui je suis cette personne-là, et je voulais te le dire, je t'aime. Et je lui ai dit hier, et il le savait, mais j'avais tellement cette chose-là d'être aussi heureux, de lui dire franchement le fond de la pensée, parce qu'on ne dit jamais ça assez aux gens, qu'on les aime. Et après, ma mère est arrivée parce qu'on est allé manger ensemble et je lui ai dit exactement la même chose. Bon, la réaction de ma mère a été différente, hein, parce qu'elle, elle était déjà au courant. Je lui disais déjà je t'aime et tout ça, mais ça a été assez marrant parce que j'ai pris les devants et j'ai remercié pour l'éducation, pour ce qu'ils m'ont enseigné, leurs valeurs. Et waouh, juste magnifique, quoi. Donc du coup, ben, voilà, je voulais vous le faire partager parce qu'il faut inspirer les gens. Il faut les inspirer et les motiver comme ça. Voilà, il faut dites aux gens que vous les aimez. Et là, je suis en train d'envoyer d'autres messages à des gens que j'aime et que j'apprécie pour leur faire comprendre. Peu importe ce qu'ils vont dire en face, peut-être qu'eux n'auront pas cette réaction-là, mais dites-le et montrez-le. Voilà, c'était ça en fait que je voulais vous faire partager aujourd'hui dans le défi des 100 jours. Cette intention que j'avais demandé à réaliser et que je suis en train de réaliser moi-même, il faut agir pour que les choses changent. Et déjà, si vous changez vous-même, vous allez changer les autres. Voilà, donc c'était en voiture, c'était juste pour vous dire ça. Donc, je pense que demain ou après-demain, je ferai le bilan de mon défi des 100 jours. Ça va être quelque chose de magique pour tout ce qui m'est arrivé là récemment et toute l'évolution que j'ai eue et toutes les nouvelles choses qui arrivent. Je suis en train de changer complètement de voie. Voilà, je voulais vous le faire partager. Donc en tout cas les amis, je vous fais d'énormes bisous. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. Et moi je vous dis, attendez parce que je suis en train de passer en même temps, je vous dis à la prochaine les amis et je vous fais d'énormes bisous. Bye !